préfet désigna Mapriti dans la sous-préfecture de Transua, rites ancestrales et danses mystiques ont marqué l'événement. Les excursions à la plage Grand Bassam suspendues, la raison avec le préfet Bedjou Diomand dans ce journal. Et puis, l'ex-otage français Francis Colomb est rentré à Paris aujourd'hui même. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Fête annuelle désignée à Mapriti dans la sous-préfecture de Transua, rite ancestral à la rivière sacrée, remise de bois de chauffe au roi et danse mystique ont marqué la célébration. On en parle avec Grace Kando. Mapriti à Incro est la capitale d'une douzaine de villages du canton Awanou Adiona à Inifié. Ce village de plus de 1000 âmes est situé à 7 km de la sous-préfecture de Transua. Il célèbre chaque année la traditionnelle fête des ignames, un rituel caractérisé par des symboles, à savoir offrandes, séances de purification et de dégustation. C'est une fête qui rassemble tout le peuple, qui permet à tout le peuple de communier ensemble, d'oublier les soucis passés et de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. C'est la fête majeure. C'est considéré comme le 1er janvier des Abrons. Quand le moment arrive, Nana Obeng, qui est le chef suprême, convoque ses enfants pour qu'ils viennent danser avec lui, se cueillir avec lui et puis faire certaines cérémonies. Cette cérémonie ancestrale est la plus importante du royaume Bron. Elle se déroule sur 3 jours. Le mercredi est consacré à la résolution des problèmes de succession. Le jeudi soir est marqué par le don de bois de chauffe au monarque. La symbolique appelle à un geste qui signifie la soumission. La population fait allégeance au chef en lui apportant du fagot. Quand on offre le fagot au chef, pour dire qu'on reconnaît sa puissance, sa supériorité et qu'il représente un guide pour nous. Et ce fagot aussi doit servir tout au long de l'année à maintenir la flamme du canton, c'est-à-dire une flamme allumée dans la cour royale. Le chef, quand il a froid, il a besoin de se réchauffer et on donne le fagot pour ça. Mais ça va servir pour les autres étapes de la cérémonie, la fête proprement dite. Il faut que les femmes fassent à manger et donc il faut le bois. La fête des ignames atteint son point d'orgue le vendredi par une grande procession au cours de laquelle le monarque est transporté à la rivière sacrée dans un palanquin. Le moment est crucial car un rituel ancestral sera effectué. Nous sommes à la rivière sacrée, dans la forêt sacrée. Nous sommes venus pour un rituel de purification du peuple. Bon, c'est là que tout le peuple va faire ses vœux. La chaise du trône est portée à la rivière et toutes les cérémonies se déroulent à l'insu de la population. Et puis l'eau de la rivière, qui est le symbole de la sanctification, va servir d'aspersion. Puisque nous rentrons dans le nouvel an, alors il faut sanctifier la population et tous les esprits qui vont participer à cette fête-là. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes que l'igname pourra être consommé, ce qui donne droit à l'exécution des danses sacrées et à des réjouissances populaires dans le royaume Bron. Une épine vient d'être retirée du pied des populations du village de Dibi dans la sous-préfecture de Maféré. Elles pourront désormais transporter leurs malades et femmes enceintes dans une ambulance. Cette ambulance leur a été offerte par la délégation régionale du Conseil Café Cacao d'Abouasso. Le centre de santé rurale de Dibi, village de la sous-préfecture de Maféré, a désormais son ambulance. Fin des calvaires donc pour les malades obligés depuis lors de rallier le centre de santé avec des moyens de fortune pour les cas de maladies graves. À l'accouchement, il y a des femmes qui saignent jusqu'au dernier moment par faute de camions. Elles rendent l'âme. Vous voyez que c'est malheureux. Donc aujourd'hui, avec l'ambulance que nous avons eue, c'est une grande joie et une fierté et aussi un soulagement pour la population de Dibi. Ce don de la délégation régionale du Conseil du Café Cacao d'Abouasso traduit au dit des responsables locaux du Conseil la solidarité des producteurs à l'endroit des populations, mais surtout vise à améliorer les conditions sanitaires d'évacuation des malades de Dibi.
Un don salué à sa juste valeur par Eba Malan Etienne, vice-président du conseil régional. Mais selon Laudunion Roger, délégué régional du conseil Café Cacao, cet acte réalisé dans le cadre du fonds d'investissement en milieu rural sera suivi d'autres initiatives, notamment l'entretien des pistes rurales, la construction et l'équipement de centres de santé dans la région. Il a aussi invité les producteurs locaux à aider le conseil à lutter contre la fuite du cacao hors des frontières. C'était un reportage de Grâce Kando. C'est la Journée africaine de la statistique aujourd'hui, thème retenu, des données de qualité pour soutenir le progrès. L'accent est mis cette année sur la qualité des données, un outil essentiel de suivi pour la réalisation du plan de développement national et les objectifs de développement international, principalement les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Et puis, il est désormais interdit de faire des excursions à la plage de Grand Bassam jusqu'à nouvel ordre. Une décision du préfet Budje Diomon. Selon lui, de nombreuses dérives de nature à ternir la notoriété de la ville, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été constatées. Ils sont ici pour certains pour oublier un tant soit peu le stress des études et du travail, et pour d'autres pour profiter du bon vent marin. Tous les week-ends ou jours fériés, riverains de Grand Bassam ou pas, ils sont nombreux à se rendre sur les différentes plages du département. On est venu s'amuser, se distraire un peu à la plage, passer du bon temps. On vient passer du bon temps ici, en famille, entre amis. Ça nous permet de fuir un peu le train-train quotidien. En famille ou entre amis, l'objectif est le même, passer des moments inoubliables. Mais ces dernières semaines, le repos ne semble pas être le seul motif des excursions. Selon le préfet Budje Diomon Mathias, de nombreuses dérives sont constatées sur les plages et dans les avenues des Grand Bassam. Certains jeunes s'adonnent à la consommation excessive d'alcool qui aboutit très souvent à des bagarres entre eux ou avec des riverains. Puis, les avenues menant aux différentes plages de la commune sont transformées en pistes de Formule 1, portant ainsi atteinte à la quiétude des populations. Il faut donc prendre des mesures appropriées pour corriger ce dysfonctionnement. Les excursions de masse et individuelles à but non éducatif dans la ville de Grand Bassam ainsi que dans les villages de Mondoukou et Azureti sont donc suspendues. Il va de l'image de Grand Bassam qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO et qui accueille des visiteurs qui nous arrivent du monde entier. On ne peut permettre, on ne peut tolérer des comportements qui peuvent être de nature à ternir ces labels. Très bientôt, le conseil municipal va se réunir pour définir les nouvelles règles d'accession à la ville historique, de sorte que véritablement les uns et les autres s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui est de promouvoir le tourisme. Cette décision, selon le préfet de Grand Bassam, ne vise pas les personnes régulièrement enregistrées dans les réceptifs hôteliers de Grand Bassam, les touristes et les visiteurs des monuments historiques. Ces personnes bénéficieront d'un encadrement des services municipaux et étatiques compétents. Même si les excursions sont suspendues à la plage de Grand Bassam, les prières, elles, sont plutôt conseillées, surtout les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la ville côtière se sont donc mobilisés à la mosquée pour une paix durable dans le pays. Une prière pour la paix et la consolidation de l'unité nationale en Côte d'Ivoire. C'est une initiative des fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam. Pour ces fidèles musulmans, la paix est le préalable à tout développement. Il faut donc la promouvoir afin que le vœu du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 soit une réalité. La paix n'est pas seulement pour les amis, mais c'est pour tous ceux-là même qui vivent ce cercle des hommes. Et c'est pourquoi nous avons lu le Coran et nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez, le pays est en chantier. Donc le maintien de la paix commence d'abord par là. S'il n'y a pas de paix, c'est qu'il n'y a pas de développement. Invité à cette cérémonie de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, le préfet du département de Grand Bassam n'a pas caché sa satisfaction. Nous constatons l'adhésion de nos concitoyens, des chefs religieux, à cette démarche du gouvernement. Et nous ne pouvons que venir l'encourager pour venir passer le message de la fraternité, passer le message de la solidarité, de l'entraide et de la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahara avaient à leur côté les ambassadeurs de la paix de Grand Bassam. Tous se sont engagés à promouvoir la réconciliation nationale et la paix partout où le besoin se fera sentir.
À Tokouzou, aux Alem, dans le département de Jacquesville, la paix était aussi au centre du grand pèlerinage des Haristes, une procession suivie d'une messe a mis fin à la cérémonie. On en sait plus avec Franck Quadio. Un chant consacré pour parler de paix. Le temple de l'église mère Papa Nouveau de Tokouzou aux Alem, c'est plus que de coutume paré de blanc. L'occasion est unique, elle a lieu une fois par an. Un pèlerinage de 6 jours sanctionné par une messe en faveur de la paix. Seigneur, en ce moment particulier, nous te demandons de raffermir notre foi, de nous guider sur le droit chemin. Quel bonheur d'être à Tokouzou, cité de la paix, où il est strictement interdit de se quereller et de se battre. Oui, je rêve d'une Côte d'Ivoire où il soit strictement interdit de se quereller, de se battre, de prendre les armes. Nous sommes convaincus que, en nous unissant la prière, en conjuguant nos efforts spirituels, nous aurons toujours cette paix. Prière interreligieuse aussi en faveur des hommes politiques pour une paix durable. Initiative saluée par le ministère de l'Intérieur. Après la grande messe, direction le sanctuaire du prophète. Ici, pèlerins de tout rang social mêlent les vœux pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous sommes venus rendre au prophète pour l'œuvre qu'il a accomplie et pour contribuer à prier pour la paix dans notre pays. La paix, mais aussi le salut par la prière et le travail. Ces fondements de l'église Papa Nouveau qui depuis 1937 met l'accent sur le culte de l'effort avant toute providence divine. Notons que le pèlerinage à Tokouzou aux Alem en faveur de la paix a lieu chaque année depuis 2002, un an après le décès du prophète fondateur Papa Nouveau. Et puis sachez que le changeur de la rivière A2 dans la commune de Cocody sera finalement livré au premier trimestre 2014. L'annonce a été faite par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachy. Hors de chez nous, le Français Francis Colomb, retenu en otage au Nigeria depuis décembre 2012, aurait profité d'une opération de l'armée nigériane contre le groupe islamiste Boko Haram. Il est arrivé en France aujourd'hui même. La plus grande centrale solaire du monde bientôt construite au Maroc, la centrale thermosolaire de Kouazazat, devra atteindre à terme une capacité de production globale de 500 MW. À 10 km de Ouarzazate, le Maroc a commencé la construction d'un parc solaire gigantesque de 500 MW. 3000 hectares de panneaux solaires couvriront à terme ces étendues désertiques. Une surface équivalente à la ville de Rabat qu'il faut d'abord aplanir. Le site de ce projet, dénommé Nour, lumière en arabe, a été choisi pour son rayonnement solaire exceptionnel. Son directeur, Rachid Bayed, supervise depuis un an les travaux nécessaires à l'ouverture de la première tranche prévue fin 2015. À terme, cette centrale fournira 25% de l'énergie solaire du pays. C'est une première en Afrique, ça c'est sûr. C'est une première aussi au monde parce que c'est 500 MW d'énergie solaire dans un seul complexe concentré. C'est quand même 30 km de périphérie à l'intérieur duquel on aura des projets de production d'énergie solaire. Différentes technologies seront réunies sur ce site, dont une tour à concentration solaire qui permettra de stocker de la chaleur. Un réservoir de 30 000 m3 d'eau alimenté par les montagnes de l'Atlas servira à refroidir les circuits et à créer de la vapeur pour générer de l'électricité. C'est toute l'économie de la région qui en sera transformée. Ici, on est dans l'espace qui va être complètement occupé par des champs solaires et une tour au milieu. De ce côté-là, on voit un peu le village le plus proche du complexe, qui est le village Tesselment. Ce village, il faut dire que la plupart des personnes, des ouvriers de ce village-là travaillent dans le complexe. Ça amène aussi une certaine activité pour les personnes sur place. Il y a la route qu'on vient de réaliser qui est déjà mise en service sur une longueur de 15 km qui permet de relier quand même la nationale au village et également d'autres villages situés plus lointains. Cette centrale sera reliée au réseau national d'électricité par ce poste très haute tension en cours de finition. Ce complexe représente la première pierre d'un vaste projet d'énergie renouvelable, solaire et éolien, qui doit permettre au royaume chérifien de couvrir en 2020 40% de ses besoins en énergie.
C'est tout pour ce midi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.